Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce stade pour cette nouvelle rencontre de football qui va nous occuper. Je suis vraiment ravi, bien sûr, de suivre ce match avec vous. C'est Hervé Matou, je suis au micro. Le championnat suit son cours avec cette rencontre. On espère bien sûr se régaler. Qu'est-ce que va nous réserver ce match? Un peu de spectacle, on espère. Et le défi sera de marquer face à la meilleure défense. Alors derrière, c'est du solide, on le sait. On l'a constaté à plusieurs reprises. Voici la composition de l'équipe locale. Le dispositif est un 3-5-2. On va essayer d'asphyxier l'adversaire dans le milieu de terrain. On découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse. Un dispositif tactique qui semble à première vue assez défensif. C'est un 5-4-1, une seule pointe devant. Et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. La bonne interception. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Le bon tacle. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, c'est bien dosé ça. Mais sans problème pour le gardien, ce centre. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Il file seul vers le but. Oh, quelle occasion! Quelle occasion! On était tout près de l'ouverture du score. Allez, il continue. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Le ballon qui est sorti des limites du terrain, ça va être un renvoi en 5,50 m. Ça n'ira pas plus loin. Très bonne interception défensive. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Cherche le point de pénalty. Le corner qui sera dégagé. Allez, oui, il va y aller. Et le but, l'ouverture du score dans ce match. 1-0.
On voit ce ballon qui vient se loger sous la barre. Impossible à arrêter, hein. C'était extrêmement précis. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. On va regarder ce que dit l'arbitre. Il le joue à deux. Il avance balle au pied. Ah ouais, la talonnade, bien joué. Ouais, le cadre qui n'est pas trouvé sur cette frappe, qui passe assez largement à côté. Ouais, il est bien placé pour centrer. Oh, c'est une balle d'égalisation. Ah, et le but. Oh, le but, ils égalisent, c'est bien joué. C'est pas très bien joué de la part du gardien là, qui remet le ballon, il le capte pas bien, et derrière la sanction qui est immédiate. Allez, tout est à refaire, un but partout. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Ouais, très bon tacle, il récupère le ballon. Et la voilà, la frappe. Oh, quelle frappe, quelle puissance sur la transversale. La barre qui en tremble encore. L'adversaire qui resserre son pressing, hein, c'est logique. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Les images à nouveau de cette égalisation. Attention à ce corner. Ouais, la tête est sans danger. Hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour.
Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Ouais, parfait, le tacle, rien à dire. Corner à suivre. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Corner qui est dégagé. C'est un corner qui va être tiré. L'occasion pour cette équipe de prendre l'avantage dans ce match. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. À la tête. Non, ce ne sera pas du tout inquiétant. L'action qui se poursuit. Oh, la frappe. Je ne sais pas ce qui était cherché là. Mais pas le but à mon avis. Hein. Finalement, ils perdent ce ballon. L'équipe locale qui sort d'un gros quart d'heure de domination. En tout cas, en ce qui concerne la possession, dans ces conditions. Frappe, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. Allez, le centre maintenant. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Allez, il est passé par-dessus. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il est dépossédé du ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, magnifique! Le gardien qui s'interpose. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. C'est reparti pour 45 minutes. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Est-ce qu'il va centrer? Il essaye de trouver la faille. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Un petit peu pressé sur ce ballon. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Bart Newcup. Tire. La frappe, c'est au-dessus.
Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ça part bien, action dangereuse. Les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture. Ah, c'est pas très bien dosé hein, comme centre. Si c'est. Elle y remet, ouais, ça joue vite et bien. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Il récupère le ballon dans sa surface. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Ah, c'est bien défendu. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, la puissance de la frappe. Mais alors, pour la précision, c'était pour Thomas Pesquet, ce ballon, non? Il va y avoir un remplacement. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Très bonne anticipation sur ce ballon. Bernier. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Allez, le centre peut-être dans l'axe. On cherche la faille dans la défense adverse. Et le but, ouais, ils prennent l'avantage. C'est quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Profondeur, oui, bien vu. Elle en passe assez précise, cette passe. Ouais, pas de risque, hein, le gardien qui dégage ce ballon. Chercher une ouverture, bien sûr. Oh, génial! Quel arrêt génial! Le réflexe à bout portant. Allez, nouveau corner à suivre. Le corner en direction du point de pénalty. Corner qui ne m'a rien donné. Il donne par-dessus. Un danger qui se précise. Et le but ! Encore un ! Et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore.
est bien placé. Il a mérite d'être là au bon moment. C'est ce qu'on lui demande. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Bernier. Attention, il peut centrer là. Il choisit la frappe. Non, sans problème pour le gardien. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Attention à ce corner. Corner qui est dégagé. Il progresse vers le but. Excellente passe. Oh oui, la belle intervention du gardien. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Essaye de trouver la faille. Mais c'est pas fini! C'est pas fini! Plus qu'un but d'écart! Oh, cette fin de match va être folle! Mais voilà, un but marqué totalement contre le cours du jeu. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Parfaite transmission du ballon vraiment. Un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement. Allez, ils peuvent égaliser là. Oh non, le but! On s'aperçoit que c'est bien un CSC. Hein. C'est malheureux, mais bon, ça arrive même au meilleur. La partie est acharnée, le score est 2-3-3. L'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionnel. Allez, s'il marquait sur ce ballon, hein, ce serait le bon moment. Ah, dommage, la frappe qui a filé au-dessus.
Voilà, les deux équipes qui arrivent au bout du temps réglementaire sans avoir pu se départager.